C'est parti pour un nouveau numéro de Faites le papier, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce mercredi pour notre traditionnel Quintet Plus disputé sur les 1400 mètres. On commence tout de suite avec celui qui sera ma base, le numéro 6, Trop Brève. Ce pensionnaire de Jeanne Soubagny vient d'effectuer d'encourageants débuts dans les grands handicaps, s'adjugeant une belle troisième place dans le Quintet Plus Clodoaldien du 5 avril. Performant de 1200 à 1600 mètres, il doit confirmer ce mercredi. Nous passerons ensuite au numéro 7, True Dragon, quasi irréprochable depuis le début de l'année, il mériterait de renouer avec un succès qui le fuit depuis le printemps 2020. Associé à Christophe Soufignon, il fera figure de chance logique. Mal chanceux en dernier lieu dans le quintet du 10 avril sur ce même tracé, ce protégé d'Henri Alexandral sera à reprendre ce mercredi. En plus d'un bon numéro de corde, il devra apprécier l'assèchement de la piste. Le port des œillères a transformé cet élève de Nicolas Perret qui s'est octroyé notamment une honorable troisième place dans le quintet du 16 mars à Chantilly. J'attends de voir son comportement maintenant sur les 1400 mètres. Ce protégé d'Alexandre Gauthier a montré sa compétitivité en valeur 31,5 cette année. Bottom weight de cette épreuve sur un terrain qu'il affectionne, il pourrait nous surprendre pour sa première apparition dans les grands handicaps ce mercredi. Enfin, le numéro 16, Vautrin, vient de redorer son blason dans la catégorie des réclamés après des échecs dans les handicaps. Désormais en 31 de valeur, il peut faire figure d'outsider séduisant. Voici mon ticket combiné en 6 chevaux pour un montant total de 12 euros. Cependant, le quintet plus de ce mercredi ne sera pas simple à déchiffrer. De nouveaux arrivants feront leur apparition, mais nous allons essayer de trouver la bonne combinaison. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site equidia.fr.